Le quart de mégate existe, Jean Star a publié un deuxième communiqué. C'est le scandale qui a perturbé la toile ces derniers jours. Alors que Jean Star était devenue une des personnalités françaises les plus suivies et adorées par les jeunes, une polémique a tout remis en cause. Pascal Cardona alias Babybel aurait contacté des jeunes sur les réseaux sociaux pour leur proposer de venir chez lui et de rencontrer Jean Star. En échange, il espérait des rapports sexuels. Mêlé à cette histoire, Jean Star s'est retrouvé au milieu du déchaînement médiatique et de la révolte des internautes. Silencieux depuis cette histoire, il ne communique qu'à travers des communiqués. Il en a d'ailleurs publié un second hier. Jean Star n'était pas forcément apprécié par les candidats de télé-réalité, car ils dévoilaient leurs sombres secrets au grand jour. Certains se sont donc réjouis de ce retournement de situation. Jean Star a clamé son innocence dans cette histoire, et le seul coupable serait donc Babybel. Dernièrement, un jeune homme de 18 ans, du nom danois, a déposé plainte contre lui pour viol sur mineur. Après 3 ans de silence, il a raconté son récit. Il est allé plusieurs fois chez Babybel pour rencontrer Jean Star et lors d'une de ses soirées, Pascal aurait été insistant. Un matin, il se serait réveillé chez le journaliste, et aurait été traumatisé en retrouvant Pascal entre ses jambes. Après cette plainte, Jean Star a décidé de sortir une nouvelle fois du silence en publiant un nouveau communiqué. Il parle de ses sentiments face à cette histoire, et c'est un mélange de tristesse et de révolte, j'aimerais leur dire à quel point je suis choqué. Je voudrais qu'elle sache à quel point ma peine et ma révolte sont immenses. Il clame son innocence et assure qu'il est une victime dans cette histoire. Il finit par s'exprimer sur Pascal Cardona. Il avoue qu'il a assisté aux soirées de Pascal, mais aujourd'hui je me désolidarise totalement de Pascal Cardona. S'il s'avérait, à l'avenir, qu'une seule et je dis bien une seule des ignominies qu'on lui reproche soit vraie, je m'engage solennellement à aider la justice à soutenir ses éventuelles victimes. Jean Star se dit être à bout, que pensez-vous de ce second communiqué ?